Salut et bienvenue dans notre appuntamento dédié à la création et à Zabefa. A du piacere di ricevere oggi un artista che ha arte ammirante, passa da illustrazione di libri a pitture e finisce per ricamarsi una varetta. Isabelle Istria, bonjour. Bonjour. Alors, je disais que vous aviez plusieurs cordes à votre art. Oui, on peut dire ça. Je fais beaucoup de choses. Vous nous expliquez un petit peu votre parcours? Alors oui, j'ai fait des études d'art plastique. Donc l'avantage de des arts plastiques, c'est que ça ouvre sur plein de possibilités, puisqu'on doit traiter des sujets avec toutes sortes de techniques. Il faut être innovant, il faut essayer de faire des choses originales. Donc voilà, j'ai touché un petit peu à tout, et y compris la couture. L'école était très particulière. Hein. C'était une école d'art, mais elle était vraiment, elle avait multiples casquettes, c'est le cas de le dire. Je ne sais pas si ce n'est pas plutôt mon approche de cette école. En fait, c'était les arts plastiques, tout simplement, à la fac. Il n'y avait pas que ça. Mais j'avais... Il y avait la couture. Voilà, je faisais... c'était moi qui avais tendance à faire des rendus. Je pouvais faire des choses, des rendus en tissu. J'utilisais toutes les matières. Depuis toujours, ouais, c'était quelque chose qui m'intéressait. C'était une touche à tout. Voilà, il fallait que je change systématiquement de technique. Mais alors, il y avait l'illustration de livres, que vous continuez, voilà. Par ailleurs. Ça, c'était parce que, bon, le dessin, c'est ma base. Et effectivement, j'ai travaillé sur pas mal de livres, surtout en local, on va dire. Un petit peu aussi pour... Des livres pour enfants, dédiés vraiment à l'éducation? Toutes sortes de choses. Livres pour enfants, dédiés à l'éducation, en particulier l'apprentissage de la langue corse. Et aussi des livres plus naturalistes, avec des dessins naturalistes. Avec le dessin, voilà. Toujours présent. Oui, j'adore ça. Alors, on va passer, on va parler de cette aventure, comment on arrive à Huaretta Gursa, et je vais ouvrir mon premier tiroir avec notre jingle credo. Tout part de là. Alors, voyons un petit peu, expliquez-nous pourquoi cette photo, quelle est-elle, de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est? Dites-nous tout, Isabelle. Alors, eh bien, c'est une photo tirée d'un documentaire que j'avais vu sur... enfin, je ne sais pas si c'est exactement celui-ci, mais en tout cas, c'était un documentaire que j'avais vu sur la Sicile, dans lequel on voyait... Des jeunes hommes qui avaient créé une boutique avec des casquettes. Et c'était des casquettes complètement farfelues, beaucoup plus farfelues encore que les miennes, mais sur ce modèle typiquement méditerranéen qu'on trouve... On s'approprie, nous, aux voilà. Autres Corses, on dit « avoir et tago », exactement, mais je ne m'attendais pas à ça, d'ailleurs, hein, d'avoir un tel écho que les gens me disent « Ah, mais c'est notre casquette !» C'est la nôtre. Voilà. Et je disais, en fait, oui, dans le bassin méditerranéen, en tout cas, c'est clair. Et puis, eux, ils avaient détourné la chose. À la base, c'était surtout les mafieux qui portaient cette casquette. Et qu'on le veuille ou non, même si l'image n'est pas très... peut-être qu'il ne faut pas s'inspirer de ça, mais si, parce qu'il y avait quand même une imagerie assez glamour autour de ça, même par rapport à... Aux parrains. Voilà, exactement. Il y a toute une imagerie qui reste assez glamour. Voilà. On l'appelle la corpo, là-bas. Exactement, ouais. C'est ça. Et donc, y avait cette imagerie, et puis je trouvais ça très beau. J'ai des garçons, je suis entourée de garçons. Donc, je trouvais que c'était un accessoire pour hommes intéressant et que ça n'existait pas, quoi. Plus personne ne le faisait en Corse. Une aventure un peu folle, parce que vous êtes tranquillement dans votre canapé, vous êtes illustratrice, vous faites des dessins, et là, on va faire une casquette. Alors, vous avez choisi le logo d'une tortue. Je ne sais pas si on le voit, je vais vous montrer ça. Celui-ci, oui, on le voit assez bien, il est tamponné. Alors, déjà... les casquettes, c'est la forme de casquette traditionnelle, donc ce n'est pas ce modèle-là, s'appelle la coppola, en fait, la cupule, comme la cupulata. C'est exactement, voilà, exactement la même origine, hein, c'est cette forme très particulière. Quand on regarde la carapace d'une tortue, on retrouve cette forme de casquette. Donc pour moi, c'était tout naturel. De prendre la tortue. Voilà, ce qui est un animal que j'aime bien. Et donc, vous voilà rentré dans le monde de la fabrication de la casquette. Et on va arriver à votre objet Anima que je vais découvrir. En fait, c'est votre premier modèle, l'Anima. Ça, ça s'appelle le modèle... Je l'ai appelé Prima parce que c'est la première. Prima. Alors, je vais l'essayer, vous permettez? Allez-y, voilà. Alors... Elle s'adapte aux hommes et aux femmes. Tout à fait. Hmm? Oui, j'ai eu pas mal de clientes. Donc ça, on peut dire que c'est vraiment le tout premier modèle de l'aventure, hein, de l'aventure à Huaretta Gursa. Alors, comment ça se passe? Racontez-moi tout. Alors, c'est très compliqué de créer un patron, parce que je ne voulais sûrement pas aller chercher un patron sur Internet, l'imprimer et faire la même qui existait déjà. Donc, il fallait que je crée mon patron. Et je ne suis pas modiste. Hein. Modiste, c'est les gens qui fabriquent les casquettes, les chapeaux en général. Ni modéliste, ce sont ceux qui créent des patrons. Donc, il a fallu que je fasse... à tâtons comme ça,
en faisant des essais, en faisant des prototypes. Vous avez eu de l'aide aussi. Oui, j'ai beaucoup été aidée par ma mère, qui elle-même, qui coud très très bien. Hein. Depuis toujours, je l'ai vue coudre. Pour moi, c'était une fée. C'est-à-dire que quand j'avais envie de quelque chose, je disais, tu pourrais pas me faire tel truc. Bon, ça arrivait. Complètement fou. Des fois, c'était des trucs, carrément des copies de grands couturiers. Je lui demandais de me faire des chemises. Même une chemise, elle était capable de la faire alors que c'est très difficile techniquement. Donc voilà, je lui ai dit, bon, bah, écoute, aide-moi, on va faire ça. Et alors, on comparait nos projets, on travaillait chacune chez soi. Et puis après, on se retrouvait et on comparait. Et à un moment donné, on est arrivé exactement à la même conclusion. Donc, on s'est dit, c'est le bon. Donc, voilà. Il a fallu vraiment tout créer, la visière, tout, tout. Le tour trouver de les taille. Matériaux aussi. Parce que ça, la visière, à l'intérieur, il fallait quelque chose de rigide et souple en même temps. Mmh. Voilà. Et aussi qui se délite pas, qui reste bien, en bon état, qu'on puisse coudre avec les machines qu'on avait, parce qu'on n'a pas des machines professionnelles. Oui, parce que là, on voit vraiment, il y a le tour de tête, voilà. Il y a la jolie doublure, même et la sangle. Très... Alors voilà, la sangle aussi, normalement, on utilise du gros grain en chapellerie, mais j'aime pas le gros grain. Je trouve que ça se salit, que c'est mou. Enfin, c'est pas une matière qui me plaît. Et je trouvais que le côté sangle qu'on utilise pour accrocher des charges ou quoi, il y avait quelque chose de très viril, parce qu'au départ, je m'adressais aux hommes quand même. Donc, au départ, je prenais les oranges vraiment pour donner une impression comme ça d'outillage presque. Alors voilà. Isabelle, on parle, mais nous avons été curieux et nous sommes venus vous espionner dans votre atelier à Ajaccio. Et je vous propose de regarder comment se fabrique Awareta Gorsa. Je crée mes propres modèles, ça prend beaucoup de temps. Ça prend, je sais pas moi, c'est des heures et des heures de travail pour faire un modèle juste. Et puis, à partir de là, on fabrique un gabarit rigide en carton. Et ce gabarit nous sert à faire des découpes sur du tissu. Donc on doit le faire deux fois, grosso modo, parce qu'on doit faire le tissu de couverture et la doublure, le tissu intérieur. Il y a aussi la visière. Donc la visière, alors je fais même de la récupération, parce qu'il faut mettre quelque chose de rigide dans la visière. Donc je récupère des plastiques qui me conviennent. Et après, il y a tout un assemblage qui est assez long, assez technique en fait. Après, une fois qu'on le maîtrise, ça va. Les premiers temps, c'est assez dur à monter parce qu'il faut trouver des combines pour arriver à le faire avec le matériel que j'ai. Normalement, là, si on travaille dans les règles de l'art, on surfile, c'est-à-dire on fait une couture grossière avec un fil un peu fragile qui tient tout. On ne laisse pas les épingles comme ça. Ça, c'est ma manière de travailler. Je pense que d'autres couturières doivent travailler comme ça. Mais c'est ma mère qui m'a transmis cette façon de faire et je sais pas, c'est pas forcément la meilleure, mais bon, c'est la mienne. Hein. Là, on a tous ces petites habitudes. Hein. Ça, c'est la casquette de couverture. Ça, c'est la doublure. Donc, je la positionne. C'est une casquette en taille 60. Donc, je vais... faire mon ruban en taille 60. Après, je dois coudre le ruban tout le tour. Je vais ensuite le replier et le coudre de ce côté. Donc, c'est la petite couture qu'on voit là tout le long. Voilà. Et qui s'arrête au niveau de la visière. Donc je positionne toujours deux épingles pour bien la visualiser. Et voilà, celle-ci, elle est terminée. À barrer d'accord, ça m'a permis de toucher un autre domaine où pour le moment j'étais seule, où je pouvais être créative sans avoir personne pour me dire comment je devais faire. Et voilà, puis j'ai toujours beaucoup aimé coudre. Et ça reste de la création. Alors Isabelle, ça fait quoi de se voir à l'œuvre? J'ai l'impression d'être une bricoleuse. Alors que pas du tout, regardez toutes ces heures et tout ce temps à mettre au point de jolis gabarits, regardez ce qu'on a. Il y a même des casquettes que vous avez peintes à la main, c'est ça? Tout à fait. Bah, là, c'est mon travail d'illustratrice qui revient. J'ai tendance, de temps en temps, je me dis, oh, quand même, il y a une belle surface bien lisse là. Je vais pouvoir peindre quelque chose dessus. Donc oui, de plus en plus, j'essaye de m'orienter là-dessus. Comment ça s'est passé, la première vente de casquettes? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, c'était sur un marché de créateurs qui a lieu encore cette année à Ajaccio, l'Imperial Pop-Up, c'est tous les 15 jours environ. Et au début, j'y suis allée en tant qu'illustratrice. Et puis, je regardais un peu ce qu'il y avait autour de moi. Les créatrices, pour une grande majorité, ce sont des femmes, travaillaient les bijoux, des vêtements, enfin des accessoires féminins. Je me suis dit quand même, c'est dommage. Et j'avais donc toujours en tête ce reportage que j'avais vu
Je dis, mais en fait, des casquettes, ce serait super. Voilà, je vais le faire. Et donc, j'ai fait très vite des modèles qui, justement, n'étaient pas forcément tout à fait au point au niveau du patron, mais ça m'a permis d'étudier le marché un peu aussi et d'avoir des avis, c'est-à-dire que les gens les essayaient, je les utilisais comme cobayes et je disais qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas dedans, enfin voilà, donc ça m'a permis de faire évoluer le patron quoi. Et voilà. Faire du sur-mesure. Exactement, oui j'en fais d'ailleurs sur-mesure. Et vos tissus, comment faites-vous ? Alors j'essaye si possible de me fournir ici, donc il n'y a pas énormément de possibilités de se fournir, puis bon ça a aussi un coût, donc et je suis aussi très curieuse de matériaux, bon j'aime beaucoup les tissus japonais, j'aime beaucoup utiliser les tissus d'ameublement, un petit peu de récupération aussi, par exemple le jean, j'aime qu'il ait déjà vécu, donc je récupère du jean de bonne qualité. Je vais et pas on citer de marque, et je redonne vie. Pour moi il est plus beau, il a plus de valeur s'il a déjà vécu le jean. Alors Isabelle, il est temps pour moi de faire une petite surprise et de faire votre cœur. Alors je me suis rapprochée de votre fils, je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait lui faire pour la surprendre. Et il m'a dit il y a des travaux qu'elle a fait durant ses études. Elle participait à tous les concours, toujours comme ça, en dilettante. Et puis il s'avère qu'elle les remportait toujours. Alors la thématique c'était les microbes. Oh là là, mais où il a trouvé ça? Non mais même moi je ne sais pas où il a trouvé ça. Il a chiné pour nous. Ah, j'étais plus pas étudiante, j'étais au collège quand j'ai fait ça, je pense. Alors, le dessin, donc ça existe depuis très longtemps. Donc là, il s'agissait de parler de microbes, c'est ça Isabelle? Ah oui, apparemment. Incroyable. Alors, vous parlez un petit peu, est-ce que vous rappelez de ce concours? Alors, celui-ci, honnêtement, oui, mais c'est vrai que j'avais pour habitude de faire plein de concours. Ça, c'était sur la malaria, visiblement. Mais j'ai fait des concours sur la drogue. Je les faisais tous. C'était mon truc. Chaque fois qu'il y avait un concours de dessin, je participais. Et c'était souvent de la bande dessinée, parce que j'aime beaucoup la bande dessinée. Alors, il a dit elle remportait toujours le prix. Oui, c'est vrai. J'ai même une fois réussi à remporter les trois premiers prix. On avait pas le droit. J'avais tout raflé. Trois dessins. Et j'avais eu les trois premiers prix. Ils étaient un peu gênés quand ils ont appelé. Et ils ne s'étaient pas rendus compte, en fait, que c'était la même personne. Mais j'étais toute jeune. Je devais être en cinquième. Donc, ça va, il y a prescription. Isabelle, et voilà. Les projets ? Alors, travailler sur d'autres modèles, comme celui-ci, c'est-à-dire des modèles plus féminins, peut-être. Et surtout des pièces uniques. Moi, j'aimerais pouvoir faire beaucoup de pièces uniques. La pièce unique. Voilà. On vous tourne un petit peu partout, enfin, sur Ajaccio. Oui, oui. Ça commence à se remplir un petit peu. Tout à fait. Alors, moi, je vous remercie de nous avoir fait partager toute cette belle passion, de nous avoir ouvert les portes de votre atelier. Merci. Vous êtes la bienvenue. Et à vous, je vous dis à bientôt pour découvrir un autre savoir-faire. Abed et Ju. Thank you.